C'est les écoles type américaines qui préparent au spectacle. Bien sûr, c'est ce qui manquait. Enfin, quand j'ai commencé, moi j'ai commencé à jouer en professionnel, j'avais 15 ans dans le nord de la France. Et ma passion, c'était ça, mais apprendre où? Eh bien maintenant, c'est possible, c'est possible maintenant. Il y en a une qui existe en France, elle est unique. Alors, je voulais vous dire et vous présenter en 2 minutes l'école supérieure du spectacle. Allons-y. Aujourd'hui, une pêche d'enfant vous propose de partir à la découverte d'une école très spéciale. Alors, si vous vous sentez lambdaniste et préférez l'expression et la création aux problèmes de maths, ouvrez grande oreille. L'école supérieure du spectacle nous offre une formation pluridisciplinaire. Enfin, on peut toucher à la fois au chant, à la danse, au théâtre. Cette école est unique en France. Les élèves n'ont pas de cours scolaires particuliers, c'est une école ouverte à tous, mais il faut avant tout passer le cap des sélections. Alors le recrutement se fait sur la demande de l'élève qui nous demande un dossier d'inscription qu'on lui envoie. Ensuite il y a un entretien avec cet élève et à la suite de cela on établit une grille. Le programme, 30 à 40 heures de cours par semaine. La formation s'étale sur 3 ans, revient à 25 000 années. Cher peut-être, apparemment ça vaut de casser sur les lire. On a plus de chance dans le métier cassé quand on a derrière soi une tête en chant, en scène, théâtre. Parce que maintenant les acteurs puissent se limiter à être seulement de bons comédiens et qui savent bouger sur scène. L'école est reconnue par la profession, sans lier monsieur le directeur qui se charge de trouver un emploi à ses chers élèves. On peut accéder beaucoup plus facilement au casting parce que les directeurs de casting connaissent donc le directeur et il a la réputation d'envoyer des gens qui correspondent spécifiquement à la personne qu'il cherche. L'école supérieure du spectacle, c'est valant d'une école américaine de music hall. D'ailleurs, les références des élèves ne trompent pas. On voit Snowman au cinéma, on va prendre la preuve, c'est clair. J'aimerais être danseuse et j'ai des références comme Liza Minnelli ou Natalie Wood qui m'ont fait rêver, qui m'ont amené à ça en fait. C'est mon rêve, j'aimerais bien monter sur scène. Grâce à eux, c'est eux qui nous influencent beaucoup. Alors si l'aventure vous tente, n'hésitez plus. Alors, voilà, Lee, c'est une école comme ça que vous auriez aimé. Ce que la jeune fille a dit, c'est vrai, c'est nécessaire. Il faut savoir tout faire, finalement. Ça dure combien de temps, cette école? 3 ans. 3 ans, c'est ça? 3-4 ans. 3 ans minimum. 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 Tout dépend du talent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il se peut qu'effectivement les 3 ans se raccourcissent en 2 ou en 1 année, mais c'est rare. Hein. Et de ces 3 ans, c'est très rare. Mais vous apprenez aussi le jazz. Le jazz, la danse contemporaine, la danse classique, la danse moderne, les claquettes, le chant classique, jazz, variété. Et qu'est-ce que j'ai dit? Théâtre. Le théâtre. Formation complète. Hein, et le chant. Et le chant, oui. Technique, interprétation, formidable. Bravo. Voilà. Bravo.